Bonjour mes petits visages, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir la box du petit colis, comme ceci, tout mignon. Sauf que c'est celui de mois de juillet que je vais ouvrir avec vous. On va redescendre un tout petit peu. Parce que j'ai eu un petit souci, enfin ils ont eu des soucis pour envoyer le colis. Du coup voilà, on va ouvrir ça tout de suite avec vous. Je ferai la deuxième vidéo parce que j'ai celle de juillet et août en même temps. Du coup on va ouvrir une maintenant et l'autre pour après. On va commencer comme d'habitude, elle s'ouvre toujours de la même façon. En plus je sais pas mais vous avez vu comme elle est jolie avec tous ces petits citrons, toute mignonne, j'adore. Elle est trop belle, après c'est blanc derrière et sur le côté. Mais elle est très belle et fort le petit colis de l'été. Je sais pas ce qu'ils vont nous réserver en septembre mais elle va être très belle aussi je crois. Voilà, elle s'ouvre comme ça, c'est un petit aimanté. Voilà, elle s'ouvre comme ça. On a toujours le petit papier comme pour dire bonjour, la présentation. Et ici on a du papier vert. Voilà. Je vais la déposer juste à côté de moi sur l'autre boîte. Et on commence tout de suite avec un goodie. C'est plutôt de la nourriture cette fois-ci. Et c'est du popcorn. C'est du popcorn, regardez ça. Ouh, le popcorn, qui va manger ça? Qui va manger ça? C'est un petit sachet, popcorn, artisanal, caramel, beurre salé. On va goûter ça. J'espère qu'elle sera bon. Voilà, comme petit goodies. Après, on a un autre petit goodies. C'est une boîte comme ceci, toute mignonne. Je sais pas si vous allez faire le focus. Oui, ça fait le focus. C'est un puzzle avec une photo de la Weebox. Enfin, de la petite colis. Oui, parce que la Weebox non plus, je ne l'ai pas reçue. Je viens d'envoyer un mail pour voir pourquoi je ne l'avais pas reçue. C'est pour ça. Je mets, meurs, je mets pas un saut. Voilà. On a eu des petits puzzles. J'aime bien le petit bocal. Je ne sais pas si vous voyez bien les petits puzzles. On va ouvrir. Et c'est tout petit les pièces. Regardez ça. Tout petit. Je ne veux pas faire le focus. Je dépose. Voilà, c'est tout petit. C'est vraiment tout minuscule. Je le remets pour ne pas faire une pièce. J'essaierai de faire ça. Je ne sais pas, je verrai bien. Voilà. Après, ça on lira à la fin. C'est le petit. On lira à la fin. Puis on a comme d'habitude les deux marque-pages citronnés. Celle-ci elle est trop belle. Tous des petits citrons. Derrière on peut marquer le titre du livre, l'auteur, les passages qui nous intéressent. Voilà. Et à l'autre, comme ceci, avec toujours une petite citation dessus. Toute mignonne. Voilà. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est là-dedans. La boîte est vide. Voilà. Bah avant ça, normalement, il ne parle pas des livres. Non, il parle que des goodies. On va d'abord parler de ça, après on regardera les livres pour une fois. Du coup, le puzzle, c'est un puzzle de voyage, du petit colis transféré partout. Pour vos occasions entre deux lectures, nous avons créé spécialement pour vous un très joli puzzle de voyage. Présentez notre petit colis du printemps dans un étui tube. Vous pouvez emmener partout dans un sac. Risque de perdre des pièces, amusez-vous sur la plage. Voilà la plage. Voilà, et l'autre, c'est les popcorn artisanal au caramel beurre salé dans son petit sachet super pratique. Et on coupe. Voilà, le sachet très pratique. C'est normal, il y a vous l'ouvrez juste ici, et là en dessous, il y a une petite fermeture. Je sais pas si vous allez voir la fermeture là, facile. Voilà, c'est le petit nouveau des brefs de nous. Nous faisons goûter délicieux popcorn. Nous avons le plaisir de vous présenter le maïs délicieux manque de popcorn confiserie artisanale dans le sud de la France. Leur participer, ils ont OGM, sans colorant ni conservateur. À chaud ou sans matière grasse, les popcorn les plus légers et le plus grain
Mais tout. Ouais. Au délicieux, caramel, au beurre salé, tout simplement à tomber. Voilà, on goûtera ça plus tard. J'ai pour ça là. Donc, on voit comment à ouvrir le petit sachet. Comme toujours, c'est dans un petit sachet de recyclé avec le petit logo, la Weebo, enfin, petit colis. Voilà. On va commencer par un. On va commencer par celui-là. Je n'ai pas encore vu. Je vous laisse voir. Oh, c'est celui que je voulais. C'est toi, le chat. Il est trop beau. Des éditions, j'ai lu. Après, je ne sais pas qui l'a produit. Alors, je vous montre le derrière en même temps. Je vais lire un petit peu ce qui est sur la quatrième couverture. C'est toi, le chat. Un chat abandonné. Le chef cuisine, sauf et perd. Une petite fille gentille, une femme sous emprise, lorsque quand vit la vie tombale, c'est un destin de si humain. Ouais, c'est l'histoire d'un petit chat, on verra bien en preuve. Je vous dirai quoi quand je l'aurai lu. Je pense pas le lire tout de suite. Parce que j'en ai d'autres à lire pour le moment. Et il y a 349 pages à lire. Quand même, c'est pas un petit bouquin. Je lirai pas tout de suite. Et le deuxième, je regarde pas, je vous le montre. C'est un nom bizarre à coucher dehors. Du code de poche, nouveau roman. Voilà, et si je comprends bien, c'est là plusieurs tomes. Il faut combien, je voyais combien de tomes il y a parce que j'aime bien lire les tomes, mais à la longue, il faut toujours racheter la suite et ça, c'est ennuyant quand même. Voilà. Et c'est Amy, c'est une force de tête qui refuse de se laisser marcher sur les pieds face au comportement plus doudouille de l'un de ses collègues. Ses convictions lui ont valu de perdre son dernier travail. Voilà. Mais après un mois au chômage, Amy a besoin d'un job à tout prix. Lorsqu'elle entend parler d'un poste de secrétaire dans une salle de sport, elle saute sur l'occasion. Julien, le propriétaire aussi sexy et je perds mes mots, refait son embauchement car elle ne comprend pas son profil, mais pas mal connaître Amy. Elle ne lui laissera pas d'autre choix que l'embaucher. Il lui fera vivre un enfer pour qu'elle démissionne. Dans l'ambition électrique, Amy et Julien commencent à se laisser lancer dans les indéfinis, mais ils pourraient vivre se retrouver pris à leur propre jeu. L'un et l'autre prévient-il de mettre le fierté de côté à écouter que ce que leur âme murmure. Ouais, ça a l'air pas mal quand même, ce beau livre. J'ai envie de le lire tout de suite. Entretien et amour, il n'y a qu'un pas. Sautera-t-il le franchir? Il a l'air pas mal, mais c'est pas, je vais pas lire non plus. Je sais pas si on voit combien de tomes il y a. Pourquoi que je regarde, j'aurais. Non, il marque pas. Parfois en dernière page, je sais pas, non, il manque juste ça. Je suppose que ça doit être le deuxième. Non, bonne nouvelle caution, petit format. J'aime bien les petits formats, tu les mets partout dans tes poches. Non, c'est trop chouette. Et ben voilà les deux livres que j'ai eu du mois de juillet. Dites-moi lequel que vous avez envie de lire en premier. Moi, je ne lirai pas tout de suite parce que j'ai un autre livre. Enfin, j'ai une autre série à lire. Il y a quand même 12 livres à lire. Et je suis au troisième. Je vous les ai déjà présentés. C'est celui-là. Voilà, regardez, je suis là. Et
je suis à la saison 3 et j'en ai 12. J'ai pas lu beaucoup cet été, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais tourner l'autre juste après. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Il y a Discord, il y a Facebook et Instagram. Allez voir et venez sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde.